Et salut, c'est Larmawan du site jdrpg.fr à nouveau pour une session RPG. Et aujourd'hui, ce soir, ce n'est pas du Kingdom Come Deliverance, comme j'ai l'habitude de le faire depuis quelques semaines. C'est une découverte, parce qu'on va dire qu'une fois par mois, on va faire une découverte de RPG. On aime bien faire ça. J'aime bien faire ça. Découvrir des RPG que je ne connais pas, hein. Attention! Et là, en l'occurrence, j'ai choisi Metal Slug Tactics. Alors, pourquoi Metal Slug Tactics? Bah, déjà parce que Metal Slug. Et franchement, qui n'a pas joué à Metal Slug en borne sur arcade ou même en, comment dire, sur des consoles assez chères ou tout bonnement en rétro sur des, comment on appelle ça? Je ne sais plus le terme, mais bon, voilà, sur des jeux un peu craqués. Bref, Metal Slug, c'est franchement de très bons jeux de shoot. Comment on appelle ça? Des shoot? Shoot them up? Shoot them up. Ouais, je pense que c'est ça. Franchement cool. Là, Metal Slug Tactics, pourquoi? Parce que bah, c'est sur le Game Pass. Et donc, c'est un jeu Tactics. Moi, j'affectionne tout particulièrement les jeux Tactics, les RPG Tactics. Et là, c'est l'occasion d'allier tout ce qu'il faut, quoi. La gratuité, entre guillemets. Le fait que ce soit Metal Slug et un jeu un RPG Tactics, quoi. Donc, allons-y. Allons-y, quoi. On y va pour 1 heure et demie, 2 heures. On y va? Let's go. Ayant une nouvelle fois échappé à la justice, le général Donald Morden a libéré ses vieux complices de l'armée rebelle et déclaré la loi martiale à Sirocco City, devenue la base de sa conquête erratique. Alors que des milliers de victimes sont retenues en otage par le régime, le gouvernement mondial envoie la seule équipe assez téméraire et irresponsable pour répondre à Morden coup pour coup. Ah oui. Get ready. Get ready. Mission. Ah là là. Start. Ce n'est pas trop tôt, Major. Pas une seconde à perdre. Oh, voilà. On peut pas t'en dire. Ok, caméra, elle. Pour fermer. Voici Marco, l'une de vos unités. Naviguez avec grâce à LB. Les mots-clés sont utilisés pour expliquer les concepts. Le héros s'appelle Marco. Depuis le début! Un concept important aussi. Là, qu'on a dit entre les mots-clés. Ok, ok. Bien joué, vous pouvez commencer à consulter vos clés. Donc, mouvement. Ok. L'action consomme tout mouvement normal ou bonus disponible. Quelle piteuse barricade, votre pistolet devrait suffire à détruire. Et RT, T1, sélectionnez son pistolet avec RT. Ok, j'ai compris. Assassiner une embuscade rebelle, puis. Pas du tout. Pas du tout. Ok.
Pas la... la... c'est une métrique. Pas navigué. Ok. Ok. Marco ne peut éliminer ses deux tireurs en une fois. Annuler votre mouvement LT. Ah ok, je peux aller le mouvement. Ok. Waouh! Autant que ça rebut est bien armé, prenez garde à ses canons et protégez. Hein? Voici esquive. Voici votre esquive. Sa valeur est déduite de tous les dégâts subis par le personnage et elle est irréductible. Ok. Plus vous déplacez loin de votre point de départ, plus vous en générez. Ok. Hein, Metal Slug met l'emphase sur le mouvement. Plus vous vous déplacez loin, plus vous êtes résistant. La génération de points d'esquive doit être au cœur de toutes vos stratégies. Les points d'esquive obtenus en effectuant des longs déplacements et la couverture vous met à l'aise. Ok. Tirez parti des compétences passives et actions. N'oubliez pas, c'est un run and gun. Eh oui. D'accord. Arme spéciale. Voici l'intention avec chaque personnage en arme spéciale. Ok. Oui, la mesure. Ok. Ok. Genre de quoi? Vanille est générée de la même façon que l'esquive. Ok. Comment? Thank you.
Oh, c'est RT. Ok, c'est RT pour... Ah, mais j'ai des collègues. Ok. Ah, pas mal. Chacun de vos personnages dispose de la compétence passive synchronisation. Les synchronisations sont des attaques automatiques. Pour en déclencher une, infligez des dégâts à tout ennemi à portée de l'arme principale d'un autre allié. Ah, c'est pas mal. Les combis. Tous vos outils ont des compétences passives, bien les connaître est la clé de... Et comment je peux savoir ça? Ok, synchro. D'accord, détermination. Pardon. Terminez la mission, voici, terminez-la par vous-même. Elle sera échec, considérée comme échec si vous ne pouvez plus atteindre l'objectif. Et tous vos personnages sont KO. Ça marche. La portée, c'est quoi? Bon. C'est quoi la portée? À la portée, ok. Ah, quand même, hein. Ça va loin, hein. Là. C'est Marco. Marco. Ok, donc. Ah oui. Ah, j'aime bien. Faut terminer. Ah, attends, attends. Quoi? Encore pas les trucs?
Et corps à corps. Non. Ouf. Très drôle. Alors, déjà. Tac. Je kiffe les jeux tactiques. Je choisis cette arme là. Imaginons que je fasse ça. Ah, j'aurais pu le... Bien. Ah, j'aurais pu finir en fait. Ok. Ok. Marco. Harry. Theo. Let's go. L'infanterie d'Abdul Abbas a envahi les territoires ruraux et les villages désertiques des environs libérés. Donc, ravi de vous voir comme toujours, Major. Dans l'idéal, on n'aurait pas besoin de se rencontrer aussi souvent. Je parie que je vous manquerai. C'était le cas. Les urgents, rien. Bref, voici votre briefing. Morden a réussi à s'échapper après l'incident de sur Garbage Island. Encore ? Ne m'interrompez pas, je vous prie. Depuis son évasion, il s'acharne à libérer ses vieux amis dans le plupart de leur. Petit à petit, il a réussi à construire une base ici à Syrocos. Bien entendu, malgré les protestations de la population locale. Il va sans dire qu'un conflit hyper en zone urbaine aurait des conséquences dévastatrices et désastreuses pour les habitants. C'est pour cela que nous avons décidé d'envoyer une petite équipe pour infiltrer la ville de la ville et éliminer Morden. C'est là que j'interviens. Pas si vite aussi. Le chemin menant à Morden est protégé par trois énormes machines de guerre. Il semblerait qu'elles jouent les timides et qu'elles restent hors de vue. Mais tout n'est pas perdu. Les rebelles occupent le territoire dans le désert d'Argun Palm, les tombes. L'air canette et la jungle de Sourceau. Si
nous libérons ces territoires, les machines de guerre seront forcées de quitter leur position afin d'intervenir. Et Morden, vous êtes sûr que nous pourrons le capturer cette fois? Morden dépend de ses comparses. Ils vont saisir toutes les occasions de briser les alliances. Et en attendant, la balle est dans votre camp. Frayez-vous un chemin à travers le champ de bataille jusqu'à atteindre la base de Morden à Syrocos. À vos ordres, Peregrine Falcon, en route. Jamais avoir de personnage. Où ça? Ouais. Hein? Mission start. Ok. Oh, bon, rajoute un.
Aïe! Oh! Ok, donc c'est plus compliqué que ça. Qui a des connexions? Ah, mais j'ai une. Une fin là. Bon, là.
Ouais, j'aurais pas réussi le premier. Bon, mais bon. Allez! Ah putain, zéro. Putain le con. J'ai déjà des trucs. Oh bah merde. On sait. Ah mais c'était peut-être prévu en fait. Je pense pas, mais bon.
Let's go. Et get ready. On brûle quand même, hein. Donc ça c'est désigné en dernier, d'accord. Les placer déjà et après les actions. Les actions.
Ah merde, du coup, j'ai pas... Merde. Bravo. Parfait. Parfait. Oh, c'est un petit jeu sympa. Bien. Alors, je vais essayer un mode. Les récompenses de type personnel vous permettent de choisir en tout 3 modes. Les armes principales peuvent être... Je peux utiliser jusqu'à 2 modes, jusqu'à 3 modes, ok. Investigation, c'est quoi investigation? Chaque fois que cette attaque déclenche une synchronisation, plus 1 dégât. Ah ok. À chaque participation au frag d'unité, ok. Rapide, chaque fois qu'une unité participe à un frag, elle obtient un mouvement bonus. Sur ça. Promotion. Votre personnage progresse de niveau lorsqu'il finit une mission et que la jauge d'XP est remplie. Ils peuvent être choisir entre 3 capacités sélectionnées. Ok. Donc, cuirasse. Chaque fois qu'une unité obtient une action bonus et un mouvement bonus, elle obtient également une esquive. Marche forcée. Obtient un mouvement bonus. Ok. Chef d'équipe. Chaque fois que l'unité participe à une sélection. Tous les personnages, bah, sur ça,
Casse-cou, chaque tour, la première fois que l'unité change d'élévation, elle obtient un esquive. Déploie un leurre explosif de niveau 1 sur la case ciblée. Expiration, inflige. Ouais. Donc, je vais essayer ça. Chaque fois qu'une unité participe à un frag, plus un dégât inflige jusqu'au début du prochain tour. Ah! Ah, sans ça. Ah oui, c'est... en fait c'est les cibles désignées qu'il faut bien que je me... Ok. Ok. Aïe aïe aïe. Je vais me faire découper. Ah putain. Marco, il va finir en brochette. Ah non, j'ai de la chance. J'ai de la chance.
Aïe aïe aïe, à trucider là. Voilà, c'est mort. Vous pouvez réanimer un personnage KO en utilisant cette action. De toute façon, chaque réanimation consomme un renforcement. Ok. Attends. Qu'est-ce que je peux faire? À faire. Ah si, je peux faire ça encore. Ok. Un truc, qu'est-ce que je peux à faire? Ah, je peux encore bouger. Attends. Ah oui, je peux encore bouger. Okay.
J'ai deux doigts de mourir. Mais bon, ça va le faire. Je peux pas rapprocher. C'est bien dommage.
Alain. Et voilà. C'est franchement c'est pas mal. Allez. Alors. Boîte surprise. Inflige 3 PV.
Chaque fois que l'un des effets d'état appliqués par l'unité est retiré, plus un dégât infligé jusqu'au début du prochain tour. Allez, let's go. Faut tuer tous les ennemis. Ça là, le truc. Moins de 12 PV, ça va être compliqué. Hein. Mmh.
très dur. J'ai chié dans la colle là. Quel con, je l'ai tué. Quel con, je l'ai tué. Putain. Quel con.
Oh, ah, quelle... ah oui, elle est... Victory. Ah, chaud. On a la bonne poste. Et si je pas donc on fait un boss. Ah. Franchement c'est chouette. Ok, alors. OPV. Ah oui, ça c'est là. Mission. Sans sur le point, mais c'est bon. Ok. Oh, dans le dos.
Tour. Ah merde! J'suis un peu dans la zone là! Putain le con! J'ai chié dans la coche.
tendu. Ah non. Ah c'est chaud. La fin du petit cheval. Ah, il faut plus. Les gars.
trop con. Trop con le garçon. C'est la fin. Pas force. Ah, moins que. J'enlève deux. Ah ouais, j'enlève deux. Difficile. Difficile. Acheter et vendre de l'équipement chez Rumi. Améliorer l'action spéciale. D'accord. Let's go! Oh non, non! Oh. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là. Franchement, c'était cool. C'était vachement cool. Un bon petit jeu de tactique, un peu différent de ce qu'on peut voir un peu avec des mécaniques, comment dirais-je, où ça se joue pas forcément tout de suite dans l'action, action-réaction. C'est plutôt faut réfléchir un peu pour pouvoir faire des attaques synchronisées, et ça, c'est pas mal. Ça m'a l'air un peu dur quand même. Parce que il faut. C'est quand même. Je trouve un peu chaud. Mais bon, franchement, c'est cool. Bonne découverte. Franchement, c'est un jeu que je mettrai dans ma liste à finir. Voilà. En attendant, bah écoutez. Passez une bonne soirée. Passez une bonne semaine. La semaine prochaine, c'est lundi. Lundi, qu'est-ce qu'on fait? Du Kingdom Come Deliverance. Enfin, on essaye, hein, parce que c'est compliqué aussi. Et puis voilà. À bientôt. Salut.